mama ntama ntama kumusubiza banti nkento vwandaka muntu vwandaka bumbana na kikuku nkento vwandaka kudia meza mosi vena bakala kasi bubu mbubeto me monati nkento mesala ngolo samu na kuvanda penza akutelema kutomboa mabetike na umona je bantu ya nkento bakaji kena kuimba kusepela kambege zaba mtete nkento lindaka vete lama nantuala babakala kana bakala mevanda nkento telama kusala bisala sala kasi bubu ya beti kena kumona bankento metelama bankento kena kulala ve bankento kena sala bisalu mchungu mosi na babakala bankento kena lunguka bana kalasi na kati ya kalasi nita wankaka mwana nkento toke baka mutantete pe mwana bakala kebaka na manima ya bana bankento ata iya tanu mkento kela ntwala na yao beto landa nteto bantu kena kuyemba mtembo yai ya ntama ya zaiko langa langa muvavu Mouvayo moto mabe, otikelinga moko bana, otikelinga moko bana, yangale kimimi ya boko loko. Yeah. Oh. Mouvayo moto mabe, mouvayo moto mabe, otikelinga moko bana, otikelinga moko bana, yangale kimimi ya boko loko. Fotokopina yo, akoma sekolela lila mama, akoma sekolela zonga monie, nako ya bolingo yo tikeli nadie. Ayolele, muba yolele, sala keba kola na via motote, modumba eke seni, viva bunga zela, muba ye, ye, ye. Palesa yo ni ye ye ye, na kukatena se devoli me paya panda. Mova na leli, moingo na yo, oyo kanga kama mova ye. Na kobele la mokili momimba ba yo kanga, na kobele la epaya mimi ya yo kanga. Na komizo ba ya bolingo na ya mova ye. Funga eyo motema, otika na kimia kata mokili papa. Oh, muva e, na we. Sonido! Leur pas de danse au rythme de la musique agrémentée ici par des femmes qui nous font revivre une nostalgie de l'orchestre Zaiko. Des instruments, différents instruments juridiques. C'est simplement pour sensibiliser les autres femmes, les hommes également, à respecter les droits de nous. Voilà, ce sont les sourcils qui entrent là pour emboîter les femmes. Ils sont en train de nous faire voir de quoi ils sont capables. Fiona, Fiona, Yokamisa! Bisou, bado sa mbaka la bisou, kala kake nwa mbaka la bisou.
mama 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 mama. Donc, toutes ces femmes congolaises viennent parce qu'elles veulent apprendre et elles veulent montrer leur attachement aux droits des vies. Parce qu'elles ont droit aussi à la vie. Féminin, acclamons-les, s'il vous plaît. Elles ont droit à la vie. Voilà. Droit au service public de qualité également. Voilà. Ailleurs, quand vous partez, par exemple, cas des personnes vivant avec handicap, il y a des disponibilités. Un peu de silence, s'il vous plaît. Nous allons inviter à présent, très respectueusement, Madame la ministre du genre, enfants et familles, qui va s'approcher sous vos applaudissements pour prononcer son mot. Madame la ministre du genre, enfants, famille. Le micro pour faire son mot de la journée. Et c'est la femme orchestre de la journée d'aujourd'hui. Guidine Boilet. Oui, mamie, il est là. Nous voyons Madame la ministre qui avance pour son discours parce que nous tendons petit à petit vers la fin du programme. En attendant la distinguée première dame, il y a Madame Safou qui va prononcer son discours. Maloba Sika na maman ministre à genre, maman Chantal Safou Lopoussa, Oyo Abongisi Moulou Yamokolo Molelo. Wapepa ya kosakula polele polete lelo ba mama Congo démocratique ba bandi bongo ko sepela milulu mia mokolo mwa bango ya 8 mars tulanda mama ministre. Mesdames et messieurs les membres du cabinet de son Excellence Monsieur le Président de la République, mesdames les hauts magistrats, Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville province de Kinshasa, ici représenté par la ministre provinciale du genre, mesdames et messieurs les mandataires publics, Excellence Madame la ministre provinciale, Monsieur le Commandant de la 14e région militaire, mesdames et messieurs les officiers supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les agents et cadres de l'administration publique, mesdames les bourgmestres de la commune, des communes de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs les membres de la société civile, mesdames les vaillantes femmes qui est à l'honneur aujourd'hui, mesdames les femmes politiques combattantes d'une juste cause, mesdames les servantes du Seigneur, notre Dieu, membre des confessions religieuses, qui portent devant l'Éternel les joies et les souffrances de ces pays, mesdames les mamans Pipoupola qui êtes ici présentes, mesdames les mamans maraîchères, mesdames les artistes, mesdames et messieurs les points faux genre, à vous toutes nos jeunes filles, jeunes femmes,
étudiantes et jeunes travailleuses qui assuraient la relève de demain, notre relève. Messieurs les hommes genrés, les hiforshi, accompagnateurs inconditionnels des femmes et de leurs pronotions. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Le 8 mars est arrivé. Vive le 8 mars. Nous voici encore une fois réunis dans ces beaux cadres de l'Académie des Beaux-Arts en compagnie de notre première dame, Maman Denise Nyaké-Ruchi-Tshisekedi, pour qui je sollicite de votre part des applaudissements dont nous nous souviendrons toutes et tous. Merci maman, merci de votre présence qui nous fait du bien à tous en cet instant précis. Merci d'avoir accepté de patronner cette manifestation à laquelle les femmes congolaises tiennent tant. De Kinshasa, où vous avez pu nous bénéficier de votre présence, nous pensons bien évidemment à toutes nos sœurs congolaises habitant les provinces, les villes, les villages et qui auraient bien voulu vous avoir avec elles. Avec votre sollicitude maternelle, acceptez que nous les représentions ici, dans cette belle capitale, aux couleurs des beaux pagnes que nous portons si bien et avec fierté. Distinguées premières dames, mesdames et messieurs, distingués invités, nous ne pouvons poursuivre ce mot sans exprimer nos hommages les plus déférents à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui préside aux destinées de notre pays après un passage civilisé de pouvoir qui a vu Son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange lui passer les flambeaux dans la paix, cette paix pour laquelle il s'est battu pendant longtemps. Et nous voulons ce jour dire que c'est grâce à la paix que nous nous retrouvons là. Et à toutes les mamans, na sengi na bino, kobeta maboko pona bino moko. Distinguées premières dames, Excellences, Mesdames les ministres, chers collègues, Excellences, Messieurs les ministres, chers collègues, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives. La journée qui a l'honneur aujourd'hui est née des revendications des femmes pour la jouissance de leurs droits ainsi que pour réclamer les mêmes chances que les hommes. Tout ce qui est acquis dans la douleur est précieux. Voilà pourquoi cette journée est précieuse pour toutes les femmes partout dans le monde. Et oui, mes chères dames, cette journée unit dans la célébration et la commémoration toutes les femmes du monde, car elles veulent conserver des acquis et des droits. Cette année, le thème de la Journée internationale de la femme qui nous réunit est « Penser de manière égale, construire intelligemment, innover pour le changement ». Ce thème pour lequel toutes les nations vont célébrer le 8 mars 2019 nous invite en tant que nation et communauté à mettre l'accent sur les moyens novateurs, modernes à travers lesquels l'égalité des sexes, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation de ces dernières peuvent être renforcées, en particulier dans les domaines des systèmes de protection sociale, de l'accès aux services publics et des infrastructures durables, faisant ainsi écho au thème d'évaluation de la 63e CSW sur la Commission de la condition de la femme qui aura bientôt lieu à Lyon du 11 au 22 mars 2019 et où la RDC, comme au cours des autres années, prendra encore une part très active. Distinguées premières dames, honorables députés, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, distingués invités, la République démocratique du Congo, à la suite des dernières élections, est entrée dans une nouvelle phase de son histoire. L'espoir est né, l'espoir né des dernières évolutions au sein des institutions issues des urnes
devrait, selon les souhaits de tous, permettre un meilleur accès des filles et des femmes aux services publics de qualité. À travers la protection sociale qui s'est organisée dans notre pays depuis quelques années, les filles et les femmes congolaises sont en droit d'espérer accessibilité, proximité et abordabilité. Voilà pourquoi dans notre pays, nous avons choisi comme thème de travail tout au long de l'année 2019, promouvoir la paix, la sécurité et le genre par un accès aux services publics de qualité. Avoir accès à l'eau, à l'énergie électrique, à des hôpitaux sûrs et sécurisés. Espérer en tant que femme et mère recourir à des services de planification familiale sans craindre les ruptures des stocks et donc protéger des vies. Avoir accès pour nos enfants à des écoles où l'éducation sera désormais un droit. Tout au long de cette année, concentrons donc nos efforts à faire avancer la paix et la sécurité, car elles sont les gages d'une société où tous peuvent s'épanouir. Ba mama, ba tata, ba neko, mbote na bino! Mbote ni susu ba mama! Batombe ni bino fete l'amu! Naza kotala awa, na lingito mona nandenge toye awa. Boyete ba mama! Na ebisi na ba mama na piso. Tiebisa, tobeta suma boku makasi. Kona mama wa yambo wa ekolo, oyo ayaki awa. Tobeta maboko makasi. Na ebisi na ba mama depute, na ba mama senateur oyo batali awa. Batele ma tobete la bango maboko. Ba mama depute, ba mama senateur, na nokumu na bino, bino baye, population eponaki. Tobete li bango maboko makasi. Merci na bino bama. Na ebisi lisusu, na baninga langa ba ministre, soki bakote le mape, ba pesa bango mbote. Ba mama, ba pesi bino mbote, to pesa ki bango pe maboko. Na ebisi, na bandeko na biso, ba eba uti na mikolo na papaya, to benga ka bango na français ba partenaire, biso na ministère ya genre, enfants et familles, ton salut, mon salut, belé na bango, na ebisi bande kona biso, pino ba ebo apembe na bango, po ebisa bango te, na zo ebisa bango ba telema, to bete la bango ma boko, pa mate bango ba soyo kangai te, na lobi na ba ambassadeur, ba partenaire, ba chef de mission diplomatique, pino ba ebo apembe na bango, po ebisa bango ba telema, to bete la bango ma boko. Na lingi kobosa na te, kwa ebisa bango na pesi bango botondi bavanda. Merci, veuillez vous asseoir. Na lingi na loba boye lisusu, lokumu ya mboka, ba mama oyo, ba bona kosale la mboka, na se ya pendele ya ekolo. Na ebisi ba mama bazali na arme, na police, ba tele mato pesa bango, lokumu oyo ya bango. Merci na bino ba mama bosaka lokumu na biso ata toke na mboka bapaya tokumisaka bino mingi. Merci mingi bokoki kovanda. Na ebisi na bino ba mama nyonso ya ba association botele mabomi betela maboko. Bino nyonso boye ebele botele mabino moko bomi betela maboko bozali ebele pamba te fete oyo erataka te. Jamais vos rata pour y aller 8 mars, pambate sa fête nabino, lokumu nabino ba mama. Na bosa ni pete, ba longani, ba lobi si maya mobali, oya zo sala mosala malamu ya ekolo, si manaye botala, mwasi ya makasi ya zali. Na sengi na ba mama ba epouse, ya ba autorite politique, batele mape, to pese la bango maboko, Mamba te mosala bazo sala, sima ya ba papa, eza mosala ya malonga,
et dans mon salaire à solo. Bongo, la lobby na ba mama, ba longa ni ba mama, pinga na piso, binonde, tango mo pesa na bango biloko ya kolia, po bango bazala makasi, tango mo pesa na bango kimia, po ba bundele kolo, le loto sengeli kokubi sabino, ba mama ba epousse botelema, to pesa bino be, monte ya bino. Eh, ba mama ba mandataire na bosa ni binote, ba mama ba mandataire, oye bazali na ba entreprise publique, bino pe bote le ma, tobe te la bino maboko. Ba mama ba mandataire, bino pe bote le ma, tobe te la bino maboko, ya solo. Merci mingi. Bongo baye, ba vandi mi kolonyo so tombo pokwa, bona koponde la kolo, pote kolo na biso eta na kimia, ba mama ya ba confession religieuse. Na sengi bino botelema, poto zong se la bino pe lokumu na bino, ba mama ya ba confession religieuse, ba mama pasteur, ba mama ya ba église, ba mama ya ba confession nyonso, lokumu pe zongi na bino. Bongo ba mama artiste, toko sani bino te, otiko se pe sabiso, na mgonga oyo muke, bino pe, pamba te bino, bosala ka pe onyonso, pona kopanza sango oyo biso tolobaka lokumu pe na bino nakanisi nabaye natangi te nayebisi na bino te bajournaliste topesi bango lokumu pamba te bango baza komema sango oyo biso tozali koloba. Merci beaucoup bapapa nyonso tobengaka bango na campagne oyo oni femme azosala. Tobenga rabama na anglais balobi, he for she. Et la kisi, ye pona ye. Ye mobali, pona ye mwasi. Na anglais tobengi ango, he for she. Ba papa nyoso botelema, tope sabino lokumu na bino, ba papa lokumu. Ba mama bobete la ba papa maboko. Eh, ba mama tobo sanakate. Tobo sana katena itumbo toza kobunda. Soki tukeika kapiso moko, toko longa te. Tosengeli kosangisa ba papa. Bamba te bango basiba koma. Bango nde, basengeli koyo kapiso. Koma lo bate ya solo, bitumba ya mama. Ezali bitumba ya sosete. Bango pe baboti bana basi. Pote bango ba komprende te. Basengeli kosunga biso ba mama. Pote toke ndeli boso. Boye te ba mama. Hey. Bongo, la po, lo baka amuke, pona tem na biso ya mbula oyu. Tem na nivou international, e lo ba mi boye, bo kahisa na bo moko. To si to lo baki ya ou na franse. Siko to lo bango na lingala. E la kisi, bo kahisa na bo moko. Kotonga na mayeli, pe na mbongo anda. Yango anda mulongo mopimba, bakonaki, to kahisa na bo moko tata. Papa, mama, bande konyoso toza isika moko, poto kanisa na bomoko makanisi, oye kotonga mboka, peko mema mbongwana. Kasibiso na kati ekolo, toza laka tujou na tem nasyonal. Tem nasyonal, e utaka tujou na kati ya tem internasyonal. Bongo tangu to benda ki, yango na kati ya tem, na kati ya tem internasyonal, to bimisa kiyo ya biso, oye longoba nipo na biso na Kongo demokrati, e lo bibu oye. Otongo la kimia pepo moko, kati ya batata kupa mama, pona botongi, ekolo. Komoni ke na teme international, ezaka na makambo, ya botongi ekolo. Biso petolobi, totonga ekolo. Yangwana na uta ikolimbola na lopoto, awa, tiye tosengeli kopongo la makalisi, tokende liboso. Biso ba mama tangonyo sotolobi, autonomisasyon, eza la kaka liboso. Pamba te mama ya mayele, azali mama ya tele makatongo, ake iko luka, poye aya kosunga papa. Poete ba mama, poete ba mama, epino nyo soyo, bozalinde ba mama wana ya mayele, pamba te misala na bino bosala ka, ebele, ezo sunga ba papa, pe ezo sala te, ekolweke liboso. Talatina na ministère ya chan, enfant et famille, tolobite soki to silisi yao. Toke na place des évoluer. Kuna na place des évoluer. Ne to tandi,
lobi foa boebite tango nyonso to sepelaka milulu ya le 8 mars tozanga kate kosala foa parce que foa wana ezalaka kaka mikolo misato elobaka te tolakisa misala oyo bamama basalaka ezali kuna na place des évolués tokokende kuna mpote kuna nde totala misala o biso nyonso tozali kosala mpe ntango tokosilisa kuna mwa kopo ya malili ekozala nde kuna na mwa eloko ya moke ya kotia na likumu ekozala nde kuna totondi bino potondi mingi bamama betabeta maboko pepa bonne fête na bino mpe baebanso babotama mokolo ya le 8 mars tolobi na bango joyeux anniversaire. Merci mingi ba mama. Sikoyo tokovanda kimia po sima tango protocole akoloba tokozala kimia po toyoka na botosi mama ya mboya ekolo o nini ye amemelaki biso na tondi bino botondi mingi ba mama. Voilà, là c'est la ministre du genre, femme, enfants et familles, qui vient de terminer son mot. Nous acclamons avec nos acclamations, nous raccompagnons maman à sa place. C'était madame la ministre du genre, enfants et familles. Attention. Au sein des institutions issues des urnes, également de parler de la protection sociale, également des problèmes des filles, des problèmes de mariage précoce. Donc elle a en fait résumé tous les problèmes. Auguste Assemblée, s'il vous plaît, je vous en prie, pouvons-nous avoir un peu de silence? Mesdames et messieurs de la presse, s'il vous plaît. À présent, très respectueusement, nous allons faire lever la distinguée première dame, madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui va venir et pour nous adresser son mot. Pendant qu'elle s'avance, nous allons l'encourager avec nos acclamations, nos milolo, nos cris de joie. Vous me dites combien de mamans, combien. C'est ce qu'on peut appeler son baptême de feu depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tous l'image. Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame, l'épouse du chef de l'État. Et aujourd'hui, elle va prendre la parole pour la toute première fois. On va pouvoir l'écouter, l'entendre. On ne sait pas ce qu'elle va nous dire, mais sûrement c'est un mot qui concerne la manifestation d'aujourd'hui. Et comme elle est une femme, elle comprend très bien le droit. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, excellences du genre, enfants et familles, mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organismes du système des Nations Unies, monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, tout protocole réservé, observé, mesdames et messieurs, je vous salue d'un amour profond et vous transmets également les salutations de mon tendre époux, notre père de la nation. Nous voici réunis pour célébrer la Journée internationale de la femme. En ce jour où le monde entier célèbre la 162e Journée internationale de la femme, nos premières pensées vont vers les femmes victimes des violences
sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. Je vous invite donc à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de celles qui nous ont quittés. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je l'avoue, j'ai longuement réfléchi à l'orientation à donner à ce discours. Plusieurs interrogations ont traversé mon esprit, me demandant que devrais-je dire à l'Assemblée qui m'accueillera? Que devrais-je dire à vous, femmes, mères, filles et sœurs? Que devrais-je dire, mais aussi et surtout, que ne devrais-je pas dire? Mesdames et messieurs, jadis, j'ai été une fille. Aujourd'hui, je suis une femme, une mère, une sœur, une citoyenne de la République démocratique du Congo. Et la situation de mon pays en général me préoccupe au plus haut point, mais en particulier celle de la femme congolaise. C'est à ce titre que mon allocution de ce jour sera pour moi une tentative d'appel collectif, d'éveil et de conscience, orientée vers la femme congolaise et ce, dans la démarche coordonnée du développement tant voulu de notre cher et beau pays. J'appelle donc cela une tentative car en effet, c'est au travers de l'effort collectif que la saveur du résultat est agréablement ressentie. Ce sera donc en ce mois de la femme qui seront rappelées les opportunités par celle-ci de relever quotidiennement les défis du lendemain. C'est un honneur pour moi de lancer ce mois dédié à la femme à vos côtés. Il ne s'agit pas d'un privilège dont nous devrons nous réjouir pour nous qui sommes ici, mais plutôt d'une responsabilité envers ces nombreuses femmes qui, en ces instants même, traversent des moments pénibles. Mahatma Gandhi avait bien raison de dire « Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. » Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? C'est justement pour cela que le privilège de cet instant est pour ma part ressenti comme une responsabilité. En regardant, en pensant à ces femmes qui, jour après jour, nuit après nuit, côtoient quotidiennement la mort, la souffrance, la désolation, ou du moins ont déjà pris rendez-vous avec elles du fait de violences sous diverses formes qu'elles subissent et choisissent de taire au nom de la peur. Un véritable éveil devrait nous animer, nous, à qui il a été fait grâce de vivre dans une certaine quiétude. Pourquoi cela? Pourquoi tous ces violences? Pourquoi ces violences? Pourquoi ces inégalités perdurent? Ne nous trompons pas, ces femmes vivent avec nous. Elles sont là, distantes ou pas, mais elles sont bien présentes. Elles sont dans nos familles, elles sont dans nos quartiers, nos villes, nos provinces, dans notre pays, et pas uniquement dans nos postes téléviseurs, ni simplement dans les réseaux sociaux. Il est plus que temps que cela cesse. Je répète, il est plus que temps que cela cesse. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, la reconnaissance officielle de la journée du 8 mars, ainsi que les différentes dispositions légales, ont été prises à ce jour dans notre pays, en avant dans la bonne direction, mais pas une finalité. Il est dit de texte aussi. Au niveau national qu'international, ne seront valables que si la femme elle-même en prend réellement conscience. Il nous incombe donc la responsabilité d'accomplir valablement non seulement le destin des différents législateurs, mais également et surtout
et de notre Créateur. Soyons femmes, telles que le Seigneur veut que nous le soyons. Je parle ici de la femme, symbole de l'amour. Aucune émancipation, aucun développement, aucune intelligence, aucune innovation ne saurait se réaliser sans que préalablement ne soit posé le jalon de l'amour comme un socle. En dépit des inégalités, en dépit des meurtrissures et des souffrances, en dépit de tout ce que nous cessons d'endurer quotidiennement par le monde, soyons et demeurons femmes et prises d'amour. L'amour envers nos prochains, l'amour envers nos semblables, envers nos pères, nos frères et sœurs, nos époux, l'amour dans nos familles, mais aussi et surtout entre nous et envers nous. Oui, en effet, il nous appartient non seulement d'être ce symbole, mais bien plus. Soyons le bon exemple. Et c'est ainsi que nos droits bafoués et méprisés seront acquis sans animosité quelconque. Les reproches faits quelquefois à la femme congolaise sont sa passivité, son sens d'éthique et de convictions peu rigoureux. Ceci explique en partie la faible représentativité de la femme congolaise dans les institutions nationales, régionales et internationales. Toutefois, cette perception biaisée ou incorrecte de la réalité ne peut être totalement corrigée que par les valeurs que nous portons toutes et qui peinent à être connues de tous, c'est-à-dire le travail, l'éthique, la patience ainsi que la persévérance. À titre illustratif, la femme dans le milieu rural porte toute la communauté à l'instar de nos mamans maraîchères, la femme dans nos foyers porte tout le ménage. Prenons l'instant de regarder celle qui est assise à vos côtés. Elle peut être cette héroïne méconnue ou non reconnue à sa juste valeur. Moi, je peux vous donner des noms. Thérèse Inza, dans la génie électronique industrielle pour ses robots roulage intelligents. Sandrine Mubenga, dans la génie électrique, plusieurs fois primée pour ses recherches dans les voitures hybrides. Gedayav, dans l'aviation civile, police de ligne à la compagnie nationale. Nicole Kokotumba-Bouacha, professeure de droit international public. Raïssa Malou, professeure de sciences et de mathématiques. Rebecca Kabuo et Gloria Senga, activistes de mouvements citoyens. Et tant d'autres femmes entrepreneurs. Et il est temps que cela se sache. Chère maman, nous avons une autre responsabilité, celle d'éduquer la nation entière qui aspire au progrès social. Nous devons bâtir ce pays et le rendre plus beau qu'avant. En référence au thème international de la célébration de ce jour, à savoir penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, il nous appartient de méditer et d'emmener l'ensemble de la société congolaise à réfléchir aux moyens innovants permettant de valoriser la femme congolaise et d'œuvrer pour son autonomisation dans le système de protection sociale et la construction des édifices durables. En ce qui me concerne, je vous assure de mon engagement de m'aligner auprès de tous les ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre les violences faites à la femme. En ce qui me concerne, je vous assure de mon engagement de m'aligner auprès de tous les ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre les violences faites à la femme, particulièrement les violences sexuelles. Je m'attellerai personnellement à rendre cette lutte une réalité permanente au travers du soutien aux réformes innovatrices et courageuses. Je me propose d'être la voix de toutes celles qui pleurent en silence, non sans peine et douleur. Et je propose à chacune de nous, où qu'elle se trouve, de parler et de faire parler les violences dont elle serait victime.
Oui, bannissons le tabou et parlons encore plus fort qu'avant. Pour qu'aucune autre femme ne soit brisée par la violence sous toutes ses formes. Je serai toujours aux côtés des femmes et des filles afin de leur donner une opportunité. Je serai toujours aux côtés des femmes et des filles afin de leur donner une opportunité de contribuer pleinement au développement réel de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour finir mon propos de ce jour, en soutien au thème national de cette journée, j'aimerais insister sur ce qui suit. Si à un moment donné de ce discours, l'attention vous a été détournée, j'aimerais humblement que nous retenions ensemble ces quatre éléments. Amour, prise de conscience, travail, persévérance. J'aimerais le répéter en lingala. Bolingo, bososoli, mosala, koikampiko. Ma maman bote, bote lisusu. Naye awa lelo ponako, célébrer premier jour, enfin le 8 mars. Journée de la femme internationale. Na sengi na biso nyoso, pona mboka na biso ekende liboso, toza na bolingo. Pona bolingo nde toko longa makambo nyoso. Na kanisi na minute biso toza na privilège, toza na kimia, tofani awa, tozo lia, tozo mela, tozo banga te, me bandeko na biso kuna na grand Kivu, na grand Kasai, na Beni, na Butembo, na bisika nso ba province nyoso, bazali ko sepela loko la bisote. Mingi bazali ko lela. Alors, na ko senga vraiment, to transmettre bango pe bolingo. Na ko senga na ba oyo, na yebi que ça va pas être facile ko kuta na ngai. Mais oyo nyoso, akoki ko luka moyen nyoso e loko ko sala, nga na zali wana. Message na bino e pa ya président poto simba na pe maboko to na biso bitumba esi la na est ba violence faite aux femmes na ba foyer et ça la violence sexuelle esi la mboka oyo ezali mboka moko beni nzamba sunga biso pona nini bolingo kyoza la te poto za na bolingo to za na bomoko. Zambe apambo la bino. Vive la femme congolaise. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, Christine Lenzo, on vient d'entendre pour la première fois la première dame parler. Elle a parlé en français. Et puis à la fin, elle a fait aussi un message en lingala à l'endroit de nombreuses femmes qui sont ici. Le lingala qui est l'une des langues parlées dans toute la République démocratique du Congo. Dans son résumé, on peut dire que la première dame a rappelé les opportunités que offre la célébration de cette journée, qui sont les opportunités à relever ou les défis pour le développement. Elle a lancé un message d'amour, de prospérité,
elle a demandé à ce que les femmes combattent les bons combats, qu'elles soient les femmes telles que le Seigneur le veut. Mamie, il est là. Merci. Il y a solo Gidil Boal, il y a Isalie Sengomakasi, Awa Okasi Académie à Beaux-Arts, Wapepaï et Molongali, Yankoumou et l'école, maman Denise Miaké Routisekedi, Antibongo Kozua Maloba, Pe Maloba Wanande, Soukisi Bongo, Molu, Ya Mokolo Molelo, Mokolo Molokoumou, Pouaba Mama, Ya Molongo Mobimba, Mokolo Molokoumou, Pouaba Mama, Ya Congo démocratique, Mokolo Koum, Pouaba Mama, Kisasa Zambie, Zali Mokoba Mama Kasi, et Souki Kaka Aote, Basso Boulandi Maloba. Maman Mokondi Alobi, Molongani à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kamati. Puis Namana Kamema Bongisami, maman ministre à Jean. Merci beaucoup. Mes amis, bas, on a ici à Tobengi place des évolués. Et puis Wapi, Milulu. Et puis Namana Kamema Bongisami pour la Mokondi. Auguste Assemblée, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, distingués invités. Nous remercions la distinguée première dame pour son allocution ô combien grandiose. Mais nous allons procéder tout de suite à la prise des photos. Ensuite, comme madame la ministre du genre l'a annoncé, il y a une foire de l'entrepreneuriat féminin qui se tient au niveau de la place des évolués. Après la prise des photos, nous allons nous rendre sur place pour voir ce que les femmes sont capables de faire. Et je vous prie toute l'Assemblée de bien vouloir se lever. Nous allons écouter l'hymne national. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Et nous allons chanter l'hymne national qui va annoncer la fin de notre cérémonie. Si vous pouvez garder vos places, vous qui êtes assis sous les tentes, restez assis s'il vous plaît. La distinguée première dame viendra à vous et elle prendra une photo avec vous. La presse, s'il vous plaît, veuillez respecter l'espace de sécurité. La distinguée première dame viendra à vous. Madame viendra.
Matondo mingi mami lela, santi wafuasi wa Radio Patelevisheni ya Taifa mulifata kunako RTNC, sherehe kubwa ya kusherekea siku kuu ya wamama ambao ilifanyishwa hapa kunako Académie des Beaux-Arts chini ya uongozi wake waziri Oscar na mambo ya uchami Bibi Chantal Safou. Mwalikwa mheshimu mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bibi Denise Nyekeru Tshisekedi ambaye alikuwa hapa. Katika sherehe ya leo hotuba mbalimbali iliweza kutolewa. Kwanza msimamizi maalum wa liwali wa mji wa Kinshasa, waziri wa jimbo kusika na mambo ya Bibi Teresa Olenga aliweza kuchukua masemi. Hotuba ya pili ilikuwa ni yake msimamizi maalum ya shirika ya uraia ma société civile. Pia hotuba ilikuwa ya tatu ilikuwa ya msimamizi wa Nations Unies, na kwa mwisho Bibi Denise Nyakeru aliweza kuchukua masemi. Katika masemi yake mke wa rais alinena ya muhimu ni kusema